Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue dans la présentation de l'épisode de Robocraft. Chers amis, comme vous pouvez le voir, il y a une mise à jour donc avec des missiles launchers. Hein, vous m'en avez parlé dans un live. Et bien écoutez, ça va être catastrophique. Parce que non content d'avoir des armes équilibrées, ils en rajoutent toujours plus. J'aimerais comprendre l'utilité du missile launcher. Qu'est-ce qu'il fait exactement? Et à quel prix il va être vendu encore? Parce que putain... S'il est vendu le prix d'une TX, ça va être catastrophique. Enfin bon, comme d'habitude, je vais le prendre. Hein. Mais enfin bon, vous comprenez mon... Mes craintes, on va dire. On va appeler ça des craintes. Edit robot... Oui, bah de toute façon, on peut déjà même aller voir là directement. Helium. 113 000. Effectivement, hardware. Donc, c'est là que ça fait mal. Méga laser, simplement, pardon. Top laser désintégrateur. Méga laser, carbone 6. D'accord, ok. Jusque là, je suis. Aéroflac. Et il est vendu à prix de connerie. Alors, vas-y. Ok, utilité. Utilité. Je serais curieux de savoir ce que ça va donner. Bah écoutez, on a des points. J'ai pas envie d'en acheter. Et j'ai pas envie du tout. Surtout que vous voyez, il n'y a aucune amélioration au niveau du... Bon, on la prend, c'est pas grave, hein. Vous m'avez offert ces crédits pour que je puisse les utiliser, donc je pense que je vais la prendre. Ok, juste pour voir quelle taille ça fait. Déjà, on va aller voir dans le garage. On a ça actuellement. Peut-être qu'un. Non, pas l'upload. Hop, voilà. Hop, maintenant, si je peux l'éditer. Hop, je vais y arriver. Hardware, c'est bon, on va y arriver. Ah, d'accord, donc elle est gigantesque elle aussi. Mais un peu moins. Hop. Ouais. Ça c'est moche. Bon, ça c'est pas très beau, mais bon, on va faire avec. Hein. Ok. Utilité de la faire aussi grosse, je comprends pas. Eh ben écoutez, on part avec. Et à votre demande, chers amis, je vais faire du Team Deathmatch qui apparemment est plus. Plus rentable quant au crédit qu'on va se faire dessus, entre guillemets. Ça peut être intéressant. Hop, bah on est déjà parti en plus. Donc la rhinopharyngite de retour. Hein. The Ultimate Warrior. Ok. Aucun que je ne reconnaisse en face. Aucun de mon côté non plus. Non, du tout. Alors. Oula, c'est quoi cette interface avec 100% en bas? C'est moche. Bon, on va bien voir ce que ça va donner. T'es con, t'en as qu'une. Ok. Je me demande si ça vaudrait pas le coup d'avoir un avion avec ça en fait. Pourrait être stylé. D'accord. Et en plus, ça a une traînée de la mort qui tue derrière. Eh ben justement, tiens, on parlait d'un avion. Hop. Aïe. Ah. Fait donc extrêmement mal. Ok, il est en train de se faire défoncer. Ok, et de 1. Ouf. Oui, sauf que moi je suis solide, mon ami. Ok. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal parce que c'est, elle est bien équilibrée. Je veux dire, la durée du lock est bien stressante comme il faut.
Ah, je me fais défoncer. Help. Bouclier humain. Ok, j'en ai vu un là-bas qui s'est fait défoncer. Ok. Ok, c'est bon. Elle est peut-être un petit peu craquée. Soyons honnêtes, elle est peut-être un petit peu craquée. Ok, hop. Pourquoi pas, elle est peut-être un petit peu craquée, effectivement. Oh bah tiens, je suis le meilleur joueur. Ah non, deuxième, dommage. Dommage, dommage. Oh bah dis donc, c'est incroyable ça. Que je sois aussi bon est incroyable. Bon. Bah elle est peut-être un petit peu craquée. Soyons honnêtes, elle est peut-être un petit peu craquée. Oh la vache, autant. Ok. Pratiquement 1 million, bah écoutez... pour si peu de temps, on est prêt à partir. On part avec un autre vaisseau, on va partir avec notre bombardier normal pour voir s'il y a utilité ou pas. Mais je pense qu'en fait... Ah zut, je me trompe à chaque fois. Hop. Je pense qu'en fait sur un avion, elle serait compliquée parce que j'ai l'impression que le lock est un peu particulier. Donc sur un avion, je pense qu'elle va être un petit peu compliquée à mettre en œuvre. Mais bon, ça c'est que mon avis. Alors, sur quoi on va tomber? Parce que entre les... Oh là là, oui, non, non, c'est dans... ça va être impossible de jouer à avion en fait. Ah, c'est marrant ça. C'est marrant la sienne. Par contre, il n'y a plus que ça, ça y est. Ça y est, c'est le début de la fin. Ah oh, bah voilà, il n'y a plus que ça. Oh, par contre, il est carrément stylé le sien. Il n'y a plus que ça, ça y est, c'est overcracké. Ok, je vois personne. Ok. Oh la vache! Tellement mal. Le sniper qui était là pour me finir. Oh la gueule. Hop là. Heureusement qu'on est un minimum agile. Oui, pour voler, c'est catastrophique. Ah, mais monte! Touché! Aïe! Aïe! Hop, reposons-nous. Ok, nous voilà repartis. Il y a un snipe. Catastrophe. Touché. Aïe. Hop. Ok, il y a le snipe qui me visait. Dommage. Hop.
Essayons de ne pas trop mourir. Hein. Ah, ils sont deux. Ah la vache, c'est peut-être la fin. C'est peut-être la fin. Non. Non, c'est bon. Aïe. Ok. Ok. Ok, je l'ai eu. Génial. Je sais où est l'autre. Oh, les pots, ils vont prendre tellement cher par contre. Ok, par contre, si j'étais meilleur que ça, ça serait mieux. Hop les, c'est moi qui fais dernier kill en plus. Si c'est pas beau ça, chers amis. Ok. Bon. Voilà une journée rondement menée. Oh là là, la quantité que ça rapporte. C'est beaucoup trop craqué par contre là. Ok. Ok, ok. Bah si on envoyait Watchtower maintenant, puis ah non, Watchtower il va se faire défoncer. Ah quoi que non, pas forcément. Ah, à chaque fois je me fais avoir, pardon, excusez-moi chers amis. Hop, on va bien voir ce que ça va donner. Alors, alors. Hop, c'est parti. Bon, jusque là c'est 2 sur 3, enfin en tout cas 2 victoires, hein, 2 victoires d'affilée. C'est pas souvent que ça arrive. L'avantage c'est que le faisant aujourd'hui, en fait, vendredi et samedi, je pourrais peut-être faire des lives sur Robocraft. On verra bien. Ça passera sur Twitch, chers amis, pour ceux qui ne sont pas au courant. Oui, il fallait que je règle le problème de... Merde, il fallait que je règle le problème de... Comment de... D'hélium. Bon, tant pis. Tant pis, tant pis. Par contre, je vais me faire défoncer, il va pas être assez vif, en fait, comme véhicule. Va vraiment falloir avancer doucement. Hein. Sinon on risque d'être là, on risque d'être le premier kill en fait, c'est ça le problème. Ok, je me fais défoncer et on va être le premier kill. Ah bah apparemment non, vu qu'il y en a déjà un qui a fait 2 kills dans notre équipe. Ok, allez on y va. Remets-toi dans le bon sens s'il te plaît, merci. Putain la vache, ils se font un chase rush là-bas. C'est une violence. Je m'attendais pas à ça. Peut-être que vous voulez aller trop vite. C'est quoi cette espèce de secousse? C'est nouveau! Hop les! C'est moi qui l'ai fait! Je suis pas bredouille! Hop! Bon, combien de balles il lui faudra dans le nez pour que. Enfin, dans les jambes pour qu'elle casse, quoi. Soyons sérieux, des minutes. Ok, ils l'ont eu. GG. Putain, la précision était géniale sur ces tirs. Ouais, il va falloir que je fasse attention à mon hélium. Bon! Pas trop mal! 3 victoires d'affilée. Si c'est pas génial, ça, chers amis. Hop les.
On est déjà à plus de 2 millions. Pratiquement 3. Incroyable. 2 millions, non, 2 millions. Soyons pas trop optimistes. On pourrait peut-être se faire un TX prochainement aussi. Hein. Ça pourrait être sympa. On verra ça. Bon, bah écoutez, je pense que sur 3 victoires d'affilée, on va se laisser là. Parce que bon, jamais 203, fallait, mais bon. Donc voilà, bah écoutez les amis, on va se laisser là pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour votre aventure et n'oubliez pas, rejoignez la chaîne Twitch, vous pouvez retrouver le lien directement dans la barre de la chaîne. Il y aura des lives sur Robocraft potentiellement, donc ceux qui arriveront, ça ne sera pas tous les vendredis et samedis soirs, mais ce sera le vendredi et le samedi soir qu'il y en aura sur Twitch. Donc voilà, salut les gens. Et yop, c'est quel bouton? C'est celui-là.